Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. Lomé, capitale interafricaine du café depuis hier au titre de l'année 2022. Les échos de la 72e Assemblée générale de l'Organisation interafricaine du café, OIAC, et du 10e symposium du café africain. De quoi vont-ils parler à Lomé? Les réponses dans cette édition. Dossier du jour également de cette édition, le e-commerce. Comment accompagner les toutes petites et moyennes entreprises TPME, c'est-à-dire les TPME du Togo, à en tirer et profit? Le cadre réglementaire et le cadre juridique, c'est dans cette édition les détails. Enfin, dette africaine, des experts pour une révision des analyses. Madame, monsieur, une fois encore, merci de votre fidélité. Eh bien, le journal de l'économie de ce mardi 15 novembre 2022, voilà, c'est bien parti. Le café à l'honneur au Togo, Lomé, capitale du café, désigné depuis Bogota pour 2023. Et déjà, le plan d'action se précise. La semaine dernière, c'était les femmes de six pays pour mieux corriger comment créer de la plus-value du café. Et quelques jours après seulement, toujours à Lomé, c'est pour laisser place à la 72e réunion de l'Organisation interafricaine du café, OIAC. Sur quoi vont-ils échanger? Les réponses ici signées. Yata Aratem, suivez les détails. Le café, deuxième produit le plus échangé au monde après le pétrole. Selon les derniers chiffres, le revenu annuel de l'industrie mondiale du café est estimé à 446 milliards de dollars US. Ironie du sort, les pays africains producteurs de café reçoivent par an moins de 5% de la valeur mondiale. Il faut rectifier le tir à cette 62e réunion de l'Organisation interafricaine du café, OIAC, en misant sur les jeunes et les femmes dans l'industrie africaine du café. Dans le secteur agricole, en particulier dans le secteur caféier, les femmes sont plus nombreuses dans la production, mais ne sont pas rendues visibles. Donc il est temps que nous puissions reconnaître ce mérite et les encourager à œuvrer pour permettre à ce que nous puissions mieux nous développer. L'élément déterminant, je cite toujours, c'est d'encourager les jeunes à pouvoir vraiment rejoindre cette dynamique du secteur agricole. Des initiatives sont entreprises par l'OIAC pour répondre aux besoins de transformer le secteur du café en Afrique en une industrie moderne, compétitive et durable. Formation et accompagnement des acteurs, développement des marchés intérieurs du café, promotion de la consommation intérieure, création de kiosques à café. Des initiatives qui mettent l'accent sur la qualité, la quantité et la productivité, profitables à tous les acteurs et les producteurs en particulier. Le café africain est appelé à jouer un rôle majeur dans le développement de nos États si l'on venait à obtenir sur le continent toute la chaîne de valeur qu'il est appelé à générer. Cette démarche cadre parfaitement avec la vision stratégique Togo 2025 de son Excellence Monsieur Faure Sozimina Nyasingbe, président de la République togolaise, qui met un accent sur l'agro-business en particulier et la transformation sur place en Afrique, ici même, de nos matières premières locales en général. Consciente du potentiel énorme à libérer dans le secteur du café africain, l'OIAC a élaboré une nouvelle initiative dénommée Drinking African Coffee, Build Africa, ou plus simplement, Boire le café africain, construire l'Afrique. Une manière pour l'OIAC de revitaliser la filière du café africain et répondre ainsi aux opportunités qu'offrent divers marchés, notamment celui de l'ASLECAF. Toujours avec les acteurs des filières café et cacao pour les prix indicatifs pour les périodes du 1er au 15 novembre, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui. Voici ce qu'il faut retenir en matière de prix indicatifs, je le disais tantôt, pour la période en cours. Café Saint-Robusta, 790 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 965 francs le kilo. Ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de janvier 2023 pour le café, de décembre 2022 pour le cacao. Ce communiqué signé du secrétaire général Anselme Gouton. Créer de la valeur ajoutée, je le disais tantôt, à nos produits, voilà comment tendre vers l'inclusion financière des femmes. Une des préoccupations du groupe Ecobank qui veut faire des femmes de Diablé de vraies actrices du développement économique. Et le week-end dernier, le groupe était encore sur le terrain. De quoi s'agit-il concrètement?
ou qu'est-ce qu'on peut retenir? Les réponses avec Carmen Madi Akapo. Suivez. Le groupe EcoBank met la joie au cœur des femmes. À Diakhblé, dans le Zio, la banque panafricaine leur donne accès gratuitement à l'un de ses produits phares, EcoBank Express, un portefeuille électronique sur mobile. Désormais, elles peuvent envoyer, recevoir et même faire des achats. Moi, je n'avais jamais ouvert un compte à EcoBank parce que j'avais une pensée qui me disait que pour aller à EcoBank, il faut avoir des millions. Mais ce matin, je me rends compte que c'était des idées que je ne devais pas faire. Les merveilles qui sont venues auprès de nous ce matin, nous ouvrant les comptes express, ce qui va m'aider dans les jours à venir. La Banque panafricaine célèbre ainsi la journée EcoBank, EcoBank Day édition 2022. Une journée exclusivement dédiée à l'inclusion financière. EcoBank ne veut laisser personne pour compte. Et ce sont les femmes de l'association Femmes Vaillantes pour le Développement, Session Diakhblé, qui ont la primeur des actions que la banque compte mener. En matière de finances, il faut une éducation financière. Et ceci manque beaucoup aux femmes pour la gestion de leurs activités, de leurs revenus. C'est un besoin réel et nous remercions EcoBank pour avoir pensé à ce groupe cible. On estime aujourd'hui que 68% des Africains subsahariens n'ont pas de connaissances financières. 62% sont non bancarisés et 74% des personnes non bancarisées ont un niveau d'éducation primaire ou moins. Pour le groupe EcoBank ETI, l'éducation financière est un élément clé pour mieux les inclure et réduire la pauvreté. Une fois que vous savez gérer vos ressources, aussi minimes qu'ils soient, vous avez une discipline dans la gestion, vous pouvez créer de l'épargne et par là commencer à créer la prospérité. Les femmes jouent un rôle très très important dans nos sociétés. C'est elles qui animent l'économie, en général de façon informelle. Si vous leur donnez cette éducation en plus, ça pourra améliorer la qualité de vie. Chaque année, le groupe bancaire panafricain EcoBank Transnational Incorporated choisit une cause sur laquelle la banque se concentre dans les 36 pays où elle est présente. Une cause qui peut faire réellement une différence afin de bénéficier aux communautés, en particulier celles vivant dans les zones marginalisées. Et pour marquer EcoBank Day édition 2022, la banque compte débourser environ 15 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'école primaire publique de Diakhblé. Quelques échos du sommet du G20 ouvert à Bali aujourd'hui en Indonésie. Dans le cadre de cette réunion placée sous la devise « Se rétablir ensemble, se rétablir plus solidement », les dirigeants du G20 ont abordé, entre autres sujets, les trois priorités mises en avant par la présidence indonésienne du G20. L'architecture mondiale de la santé, la transformation numérique, la transition énergétique durable. Un thème également au centre des échanges de la COP 27 à Chamecher en Égypte. Retour au Togo pour parler un peu de l'avant-projet du budget 2023. Le budget 2023 projeté à près de 2 000 milliards de francs CFA, dont la moitié dédiée au social. 1 957,9 milliards de francs CFA en ressources et charges, soit une hausse de 44%. Par rapport aux 1 875,8 milliards de francs CFA dans la loi rectificative 2022. À côté de ces dépenses, l'État s'attend à engranger des recettes de 117 milliards de francs CFA, soit une hausse espérée de 10,9% pour s'établir à 1 187,2 milliards de francs CFA. Dossier du jour, place des PME dans e-commerce, dans les échanges commerciaux aujourd'hui. Voici les objectifs, permettre aux toutes petites et moyennes entreprises de maîtriser le e-commerce sur le plan international, le cadre juridique et le cadre réglementaire, les précisions avec Elie Agba-Niandao. Suivez.
Les habitudes de consommation évoluent depuis quelques années et se tournent vers le commerce en ligne. Le e-commerce devient de plus en plus un levier de croissance et d'investissement majeur pour les tout petites et moyennes entreprises. Un constat renforcé par le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. La vente en ligne, un procédé qui permet à l'internaute d'acheter un produit en ligne et venir le chercher dans le magasin ou être livré à domicile. Un véritable avantage dans le commerce aujourd'hui. Le futur du commerce est digital, il est numérique. Et donc c'est beaucoup de choses le commerce électronique. Ça peut être ce qu'on achète en ligne, ça peut être des biens achetés en ligne, ça peut être des services. Et ça actuellement, ça fait l'objet de discussions dans le cadre de l'OMC. On va couvrir entre autres ce qui est discuté au niveau multilatéral à l'OMC, donc avec tous les membres de l'OMC. Donc c'est-à-dire le programme de travail sur le commerce électronique et le moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques. Et de l'autre côté, on va aussi couvrir ce qui se discute de manière plurilatérale. Donc c'est des négociations qui ont été lancées en 2019 sur un potentiel accord qui traiterait de divers aspects pertinents pour le commerce électronique. Ça peut aller de la cybersécurité jusqu'à la protection des consommateurs, protection des données, comment faciliter les échanges en ligne. Donc tous ces sujets, on va dire, transversaux sont discutés dans le cadre des négociations à l'OMC. Au Togo, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, avec l'appui de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, appuie les tout petites et moyennes entreprises dans le commerce en ligne. Ils ont été renforcés sur les avantages et stratégies de vente, les enjeux commerciaux internationaux et la classification des transactions e-commerce. Bien marché, c'est cette plateforme qui met en avant les produits des fournisseurs, des agriculteurs, des transformateurs que nous avons. Parce que déjà, comme ils ont des problèmes de manque de communication, ils n'arrivent pas à communiquer puisque le coût de la communication est très cher. Bien marché met en avant quand même tous ces producteurs gratuitement afin qu'ils puissent facilement avoir accès à une clientèle potentielle et à une clientèle qualifiée qui pourront payer leurs produits. C'est important pour nous d'apprendre sur ce que c'est que le commerce international, de se préparer aux défis afin de répondre valablement et en toute qualité à toutes ces demandes qui pourront toutefois s'ouvrir à nous. Une formation qui à terme va permettre aux toutes petites et moyennes entreprises d'accéder facilement aux marchés internationaux, de trouver de nouveaux débouchés et clients. Ceci en vue de tirer de meilleurs bénéfices. Dans les statistiques, elles sont les meilleures productrices dans le secteur agricole, les femmes. C'est vrai, c'est elles qui nourrissent le monde, dit-on souvent. Dans la filière ananas, elles sont également présentes. Une filière aujourd'hui à Suisse. Groupe Plan Suisse, la dite filière avec Antoinette Omao Vavo. Le secteur de l'ananas en plein essor. Après avoir doublé ses exportations, entre 2018 et 2019, le Togo occupait la 14e place au rang mondial contre 31. Trois ans en arrière, la production de l'ananas dans le pays n'était qu'à 25 000 tonnes. Aujourd'hui, elle est à 44 391 tonnes, soit une hausse de presque 100%. L'ananas bio prend une part importante, 33 737 tonnes, soit un taux d'au moins 60% sur les 44 391 tonnes de production en 2022. Quant aux exportations, 80% de la production biologique est destinée principalement au marché européen par des transformations qui se font sur place en fruits frais, séchés et du jus. Bien entendu, ces progressions ont été possibles grâce aux efforts du gouvernement à rendre la filière solide et plus compétitive sur le plan africain et même mondial. Une aide financière et technique est apportée aux producteurs à travers le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Pour exemple, les jeunes regroupés au sein de la coopérative Espoir de Djolo ont reçu des financements qui leur ont permis d'augmenter leur rendement. La coopérative a créé plus de 750 emplois et produit 800 tonnes d'ananas bio par an. L'atteinte de ces différents résultats est le fruit de l'installation d'une cinquantaine d'entreprises de transformation dans le pays et la mise en place du projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas ProCats. C'est un projet qui accompagne les acteurs dans la production et la transformation.
En septembre dernier, le projet a acquis des équipements destinés aux PME pour la transformation de l'ananas en jus et d'autres fruits tropicaux d'une valeur de 138 millions de francs CFA. Notons que la filière ananas compte plus de 3200 producteurs et génère 6 milliards de francs par an sur lesquels l'État a une part de 230 millions. Et c'est grâce aux producteurs que la filière est porteuse. Ceci à travers des coopératives et associations qu'ils pilotent eux-mêmes pour offrir un cadre propice à la réussite de la filière. Entre autres, la mise en place d'un conseil interprofessionnel de la filière ananas au Togo, CIFAN Togo, et d'une fédération nationale des coopératives productrices d'ananas au Togo, FENACOPATS, dans laquelle les producteurs sont organisés en fêtière nationale. Nous restons avec ces acteurs agricoles pour les échos des marchés de référence. Je vais parler des prix indicatifs des céréales sur les marchés de référence. Et nous retrouvons Elie Agba Nyandao pour les précisions. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Le bol du maïs dans la région maritime est à 500 francs. Dans les plateaux, il est entre 400 et 450 francs. Entre 500 et 450 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs varie entre 450 et 600 francs et dans les savanes, il est entre 400 et 450 francs. Le prix du bol du sorgho, il est à 700 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs, entre 550 et 600 francs dans la centrale. Dans la Kara, le prix du bol du sorgho varie entre 600 et 700 francs et dans les savanes, entre 500 et 650 francs. Poursuivons ce panorama avec le prix du bol du haricot. Dans la maritime, il est à 2000 francs, entre 1450 et 1500 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 2000 francs, entre 1800 et 2300 à Kara. Il varie entre 1300 et 2000 dans les savanes. Le bol du mil dans la région maritime est à 1300 francs. Dans les plateaux, il est entre 1100 francs et 1200 francs. Dans la centrale, le bol du mil varie entre 1200 et 1300. À Kara, il est entre 1000 francs et 1300. Et dans les savanes, il est entre 1100 francs et 1500 francs. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1000 francs dans la région maritime. Entre 700 et 750 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le prix du bol du gari varie entre 700 et 900 francs. À Kara, il est entre 850 et 1000 francs. Et dans les savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1200 francs. C'était là la situation des prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Merci Elie Agba Nyandao. Changeons de cap cette fois-ci pour nous intéresser aux nouvelles performances du port autonome de Lomé. En effet, le Togo, parmi le top 100 mondial des ports plus actifs du monde en termes de trafic conteneur, selon l'édition 2022 de Lloyd's List, qui retrace les performances annuelles des ports pour le trafic conteneur dans le monde. Carmen Madje Akapo pour les précisions. Suivez. Pour la cinquième fois consécutive, le Togo garde sa position de leader des ports à conteneurs en Afrique de l'Ouest et se classe au quatrième rang au plan continental après le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud. C'est ce que révèle le classement 2022 de la revue londonienne Lloyd's, spécialisée dans la logistique et le commerce maritime. En 2021, le pays a brassé 1 962 304 équivalents 20 pieds contre 1 725 270 en 2020, soit une progression de 13,7%. Au plan mondial, le pays consolide sa position dans la short list des 100 premiers ports à conteneurs, 2 ans seulement après son intégration dans ce groupe prestigieux. Ces exploits rassurent les acteurs portuaires qui annoncent déjà des projets pour relever les défis du développement et de modernisation du port autonome de Lomé. De nouveaux équipements sont donc attendus. Les partenaires prévoient un investissement de 530 millions de dollars pour porter du simple au double la capacité de la plateforme portuaire togolaise sur une période de 10 ans.
Ces performances découlent des réformes du secteur de l'économie maritime initiées par le chef de l'État, Foreso Zimnanya Singe, en vue de faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Quelques brefs pour poursuivre cette édition. Selon un rapport récent de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les importations ont enregistré une hausse de 0,14% comparée à 213,7 milliards de francs CFA en 2020. Dans le détail, le Togo a dépensé 31,2 milliards de francs CFA en importation de produits carnés et halieutiques, bétail, viande et poisson, dont principalement du poisson, 75,6% de ces achats de l'extérieur. Les produits laitiers représentent 16,7 milliards de francs CFA sur la même année, en baisse de 9% par rapport à 2020, 18,4 milliards de francs CFA d'importation. Importation de céréales et farines, le riz, 23,4 milliards de francs CFA, le blé froment, 16,9 milliards de francs CFA et le maïs, 200 millions de francs CFA. En comparaison, 9,4 milliards de francs CFA dépensés en importation de farines diverses contre 43,8 milliards pour les huiles et les graisses et 25,2 milliards pour le sucre et les sucreries, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est, BCAO. Dernier sujet de cette édition, la dette africaine, je le disais tantôt en titre. Pour les experts, il faut une révision des analyses. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut corriger, voici ce que nous proposent les experts à travers ce récit de Marie Abeta, présenté par Antoinette Omao-Vovo. Selon Development Remedied, un think tank basé en Chine et qui est constitué de divers consultants en développement, une des clés pour favoriser l'accès des pays africains aux marchés internationaux de capitaux et leur permettre de mobiliser les ressources dont ils ont tant besoin pour financer leur économie serait de revoir la base d'analyse de la viabilité de la dette faite par le FMI. L'objectif visé par les institutions de Bretton Woods est de surveiller les niveaux d'endettement des pays à faible revenu en les classant dans les catégories suivantes. Faible, modéré, élevé ou à risque de surendettement, la majorité des pays africains se situant dans les deux dernières catégories avant les dernières assemblées annuelles des deux institutions de Bretton Woods. Pour de nombreux pays africains, l'accès aux marchés internationaux de capitaux reste compliqué en raison d'une prime de risque élevée et qui découle de la perception qu'ont les deux institutions multilatérales et qui très souvent est reprise par les agences de notation. Selon les données collectées, sur 69 pays en développement ayant actuellement un ratio de dette sur PIB de plus de 60%, le tiers est constitué de pays africains. En 2019, cette proportion était de seulement 18%, soit 12 pour un total de 64 pays analysés. Cette problématique se pose alors que les pays africains doivent mobiliser plus de ressources pour atteindre plusieurs objectifs de développement, tout en continuant de répondre aux attentes de leur population. Jusqu'ici, les différents marchés internes des capitaux continue d'être le recours de financement le plus important pour ces pays. Mais ce marché africain des capitaux est fragmenté et encore très peu liquide. Enfin, voici les cours de devises pour ce mardi 15 novembre 2022 qui se présentent comme suite. Dollar américain à l'achat, c'était à 628,500 et à la vente 635,500. Quant à la livre sterling GBP, c'était à 743,250 à l'achat et 750,250 à la vente. Franc suisse CHF 668,500 à l'achat et 674,500 à la vente. Dollar canadien CAD 493,00 et 480,00. Yuan chinois 89,00 et 90,750 à la vente. Yen japonais 4,495 à l'achat et 4,555 à la vente. Dirham Émirats Arabes Unis 473,00 et 480,00. Quant à l'euro, à l'achat comme à l'avance, c'est à 655,957.
Eh bien voilà, madame, messieurs, c'est avec le cours de cette devise que nous refermons l'édition de ce soir. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous, mardi à 20h50. Bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.